Donc, on joue contre un Roi-Q. On lui dit bonne partie, on est blanc. Hop, on va jouer Oshi, on a 0,5 de commis, 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. Ok. Donc il joue Oshi Komoku, et moi je vais jouer Oshi Komoku également. Est-ce que tu fais des game viewers de temps en temps? Ouais, on fait des fois des simultanés, mais surtout des Rengo assez régulièrement. Après, là, pour les grandes vacances, c'est un peu plus dur d'organiser, mais... Mais oui, on fait souvent des parties ensemble, et je commente aussi quelques parties. Il joue de ce côté, très bien. Ça me donne envie de jouer par ici, parce qu'avec cette extension, s'il vient dans la zone, ça dit un peu, j'ai le coin et j'investis sur le bord. Ce Shimari-là, il regarde clairement dans cette direction. Donc ça donne envie de rajouter un coup par ici. Je joue par ici. Et s'il rajoute une pierre par là, en fait, ça sera beaucoup plus facile de venir en M4 par exemple, d'envahir, que si on n'avait pas de pierre en F3 pour soutenir. Ici, il vient là, très bien. On va s'emparer d'un coin. Parce qu'on aime bien le cash, tout simplement. Hop, il va s'étendre, là ou là, selon le style. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucun groupe faible. Ok. Il y a deux grands espaces ici et ici, mais le bord nord est un petit peu limité, car on est très écrasé, c'est la troisième ligne. Donc ici, quand on va se développer, c'est très plat. Donc le bord nord est pas très intéressant pour nous. Ou alors en dernier recours, quoi. Le bord est, pourquoi pas. On pourra approcher en R14 par exemple. Attention par contre, avec son extension ici, là, en Q6, quand on vient par là, une pince. On irait au coin, mais il se développerait rapidement de ce côté. Après, on peut encore venir ici, là, ici ou là. Ça doit être vraiment possible de venir là, par là. Ça doit être possible. Sinon, il y a le coin. Prendre le coin directement. Ce que j'aime bien faire. Ici, pareil, le nord est moins intéressant pour lui, donc il pousserait en R16. Je monte, il monte. J'étends. Et lui, il peut jouer un autre coup par ici, par exemple. Et il joue Moyo, c'est pas mal. Donc, en partant de ce principe où il va très certainement jouer le bord est, si jamais il j'allais au Sensen, on joue un Sensen amélioré. On va en R16, puisqu'on sait qu'il va jouer de ce côté. Dans ce cas-là, il vient ici, on recule, il protège comme ça ou il descend, et nous, on peut étendre. Et en fait, on a un peu comme un Sensen, sauf qu'on a pu choper un cran plus loin. Ce qui est sympathique. Donc, moi, je penche sur R16 ou R14. Mais peut-être que je vais faire R14 quand même. On a déjà deux coins potentiellement, on peut encore envahir ici. On va essayer de jouer équilibré. Alors, salut Crow, comment vas-tu? Juste en lurk. C'est le jeu de rôle ce soir. Ben, bonne partie à toi. Il vient de ce côté, très bien. On va approcher. On menace de pénétrer dans son coin. Il défend. D'ailleurs, il n'y a pas le son de. Hop, de l'onglet. Il n'y a pas le bruit des pierres. Voilà, c'est mieux. On menace de pénétrer dans le coin. Donc là, c'est le José qui est tranquille. Atari. Ok, il fait ce coup-là. Quand on fait ce coup-là et qu'on ne fait pas la connexion, en général, c'est pour récupérer le Sente. Ce que je fais Atari. Il connecte et je recule. Et là, il peut Tenuki. Voilà. Il joue de ce côté. Ouais, c'est possible. C'est possible de jouer directement en R16. Comme je t'ai dit, si j'avais joué directement en R16, si tu veux regarder de ton côté, tu peux dupliquer la partie, je pense. Il aurait été en R15. Je reculais en R17. Soit il descendait en S15 ou connectait en dur comme ça en angle plein. Et moi, je pouvais glisser en Kema sur le bord. On fait ça quand on est à peu près sûr que Noir a envie de se développer d'un certain côté. Dans ce cas-là, on profite au maximum du coin. Ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je me demande si j'ai pas envie d'aller là. Il saute. Je viens ici. Non, autant aller là directement, non? Ou ici.
voir Tenuki et approcher ce coin-là, tout simplement. Après, attention, parce que il faut calculer les chichos avec ça. Blanc, noir. Blanc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Je veux plutôt approcher par ici, en fait. Alors, la pince aurait été bonne pour lui aussi, pour développer son potentiel bord droit. Ouais. Ouais, ça aurait été pas mal aussi, je pense. Sachant que au nord, comme on a dit, il n'y avait pas beaucoup de potentiel pour l'un comme pour l'autre. Après, localement, c'est pas une erreur ce qu'il a fait, mais sur la situation globale, on peut se demander, ouais. Donc là, j'approche, il décide de pas pincer, et grâce à cette pierre, c'est beaucoup plus facile de venir là maintenant. Un truc vers le centre, un truc vers le centre, c'est sûr. Comment ça? Et là, il me couvre. Très bien. À ça, on répond R4. Il va en R3. Donc là, c'est les Joseki d'approche des Shimari. Encore une fois, je vous renvoie vers les vidéos de Mathieu Delizotti qui explique très bien tout ça. Notamment avec ses vidéos du Scorpion, tout ça. Blanc vient ici. La noire soit va en E3, soit va en S2. Mais quelle que soit sa réponse, nous, c'est le Scorpion. Cette forme de 4 pierres, c'est le Scorpion. Et il protège ensuite ici. Alors, quand on fait S2, c'est pour faire la taille ensuite. Parce que là, ce coup-là est trop puissant. S'il me laisse capturer, je suis déjà vivant en fait. Et il n'a pas envie de donner ça. Bon, il va Tenuki sûrement. Mais du coup, il pourra plus rien faire sur ces pierres-là. Ok, du coup, il répond. Le problème, c'est qu'ici, il ne peut pas séparer ces deux pierres. S'il vient en S6, je peux venir en S7. S'il descend, je coupe. S'il monte, je connecte tout. Donc c'est assez chiant pour lui. Par contre, s'il approche par là, un coup par ici, ça pourrait être chiant pour moi aussi. Donc peut-être que pour gagner de la force sur le centre, parce que là je vois qu'il y en a qui disent que ça moyote. Donc c'est ça l'idée de noir, là tu dis. Dans ce cas-là, j'aurais préféré avoir une pierre haute ici. Là c'est très plat. Mais oui, je vois l'idée. Dans ce cas-là, pour empêcher Moyo, et en même temps pour consolider mon bord droit, relier un peu mes deux pierres, je peux tourner ici. Tourner comme ça, c'est Magari. Et ça affaiblit un peu ces pierres-là. On retire une liberté aussi. Donc là, il essaie de séparer. On vient là, comme on a dit. Il perd le Sente. Bonnement, quand même. Ouais, là, le Sente, c'est un peu dommage. Parce qu'il pouvait faire Atari. Bon. On faisait Ko. Et après, il joue ailleurs, par exemple, s'il voulait. Là, c'est un petit peu dommageable, c'est vrai. Hein. On fait Atari. Et là, il connecte en angle vide. C'est pas très agréable. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Je ne pense pas. À première vue, hein, sans rien lire. Même si c'est tentant, hein, parce qu'il y a des coups après intéressants. Mais Atari, tac, Atari, tac. Il se casse, même si c'est moche. On va pas prendre le risque, on va aller là. Hein. En plus, comme j'explique, j'utilise beaucoup de temps, comme d'hab. Donc, autant jouer un coup simple, une gueule de tigre, c'est propre. Il vient ici. On va essayer d'éviter de se faire écraser trop rapidement. On vient là. Il a pas envie de se manger l'Atari. Donc il joue quelque chose ou c'est pas très beau ça. L'Atari ici est moins grave que tout à l'heure l'écrasement en R10, je pense. Donc soit je Tenuki, soit il est temps de se battre un peu et de se séparer ici. Blanc, noir. Et Atari, tac, et on sait partout. Peut-être d'abord cet Atari, et ensuite ça. D'abord Atari. Vraiment lui faire le pâté.
Il va souffrir. Ouais, là, il souffre un petit peu. Il vient ici. Oui, c'est vrai qu'on peut se dire, pour tout ce qu'il a donné là, il a gagné S1. C'est vrai que c'est un petit peu délicat. C'est surtout l'erreur, c'est de ne pas avoir fait T3, je pense. Si je viens là. Si, ouais, si continue là, on peut continuer à sortir encore une fois. Ah, c'est douloureux. On protège cette pierre. S'il protège, on peut aller là. Il vient ici, s'il protège, il y a double atari. On serait content d'avoir un Ponuki vers le centre. Il nous force à connecter. Ça m'arrange un petit peu. Au moins ça, c'est fait. On a connecté. Je pensais qu'il allait. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il allait faire. C'est assez compliqué. Hein. C'est pas évident de savoir ce qu'il aurait dû faire là. Et viens ici. Est-ce que je risque des choses? Est-ce qu'on peut se faire séparer ici? Ça, c'est une question. Il jouerait là. Mais même s'il joue là, en fait, on connecte. Et ça, c'est pas santé. Bah ça, on répondrait ici, c'est pas santé pour R9, j'entends. S'il vient ici, on va là. S'il vient ici. Peut-être qu'on peut. Je sais pas. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Si noir fait Atari, nous on fait Atari ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc. Après, tes groupes sont déjà vivants, ça sert pas à grand chose de connecter tes pierres en haut et en bas, si. Ouais, normalement, je reste pas grand-chose, surtout depuis ce tournée. C'est vrai. De toute façon, là, j'ai l'impression que rien ne marche vraiment pour lui. Donc là, ce que je suis en train de me dire, plutôt, c'est... on voit quand même des forces de noir par ici, par là. Donc rajouter un coup pour aider ces pierres-là, ça peut... c'est pas trop déconnant. Rien que ça. C'est gros. C'est gros, c'est gros. Il vient de ce côté. Est-ce que le Hané est intelligent? S'il coupe, Atari. Viens là, on fait cet Atari. Puis on vient là. Ouais, c'est compliqué. On a le droit de faire ça. Il va faire double année du coup. Dans ce cas-là, on vient ici, ce qui est très gros. Et ça menace de faire P14, puis P16, ce qui capture toutes ces pierres-là. On capture. Toi, tu penses à une extension en H3 plutôt? Et viens par ici. Ça, c'est très gros aussi. Ce genre de coup, c'est très très gros aussi. Ça menace derrière d'aller jusqu'en M17 qui est comme menace de connecter au-dessous, mais en même temps après de s'étendre. Comme ça. Ça, je crois que c'est très très beau. Même s'il peut prendre cette pierre, hein, certes. Mais tout ce qu'on aura gagné ici en échange, encore une fois, c'est immense. Donc il vient ici. D'accord. Attention, cette pierre peut se faire isoler rapidement, encore une fois, avec tac, tac, tac. Donc là, ça donne presque envie d'aller par là, je sais pas. Avec ce genre de coup, ce qu'il vise comme faiblesse, c'est d'aller en E18. Si je connecte, il peut aller en F18 et connecter. Si je descends, il y a des petits problèmes dans les formes. H17 a l'air énorme. Ouais, c'est gros, H17. C'est gros, c'est gros. Comment est-ce que j'ai envie de protéger ça?
Après, quand il joue là et qu'on défend E17, tac, c'est du gros yossé, hein, ça nous tue pas dans le coin. Il faudrait regarder, comme dit Faircaos, je dirais qu'il y a plus gros code def, c'est la même idée que là-bas encore. Est-ce qu'on n'a pas envie de défaire quelque chose qu'il serait en train de construire? Il est en train de construire quelque chose d'immense par là. Un moyau assez intéressant, on imagine bien une pierre noire en plus ici. C'est quand même quelque chose d'intéressant. En fait, même plus que défendre, rajouter un coup par ici, déjà ça a l'air gros. Ou alors, en H16. H16 peut-être bon, non. Ouais, c'est ça que je pense. Ça peut à la fois défendre un peu mon groupe, l'aider, et en même temps réduire cet emplacement. Parce que là, on a plus de points que lui. Donc, il faut réduire. Il faut réduire. Et cut. S'il cut, tu fais quoi? S'il cut est ici, je cross-cut. Je suis en position de force, je pense. Ici, on va juste reculer. Ce qui maintenant, quand il vient en E18, on peut aller là. S'il monte, on peut aller là. Et s'il va là, on peut protéger. Il n'y a plus le problème de l'Atari en F16 sur une possible pierre blanche en E16, puisqu'il y aurait gueule de tigre. Donc là, ça a protégé. Ça réduit. On est pas mal. Ça a l'air gros. Ça menace l'année, double année. De toute façon, maintenant, je n'ai plus vraiment ce coup-là. Donc, ça, c'est plutôt gros. Oui, on veut le réduire sur le centre-bord. Sur le centre, le bord n'est pas le principal à réduire, vu que tu es encore au 18. Ouais. Et d'ailleurs, on peut continuer une autre fois. Et finalement, c'est pas si gros que ça. Là, encore une fois, on peut faire année et double année. Ça tape sur ses formes, c'est assez douloureux. Donc il va sûrement continuer une fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Peut-être aller par là? Si je fais ça, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Il peut couper direct et prétendre que ma pierre est isolée, ce qui serait le cas. Donc c'est plutôt des coups comme ça qu'on cherche. Tac, tac, tac. Ouais, c'est suffisant. En plus, du renforcement blanc par là menacera des approches vers B12 qui menacent de sortir ensuite et d'isoler ces trois pierres. Donc un coup par ici n'est pas complètement déconnant. Et s'il répond pas, ça menace d'aller en J15 et de complètement détruire ça. Un coup du style N7, c'est gros ou pas du tout? N7. Ici, de toute manière, pour le moment, il ne peut pas faire tant que 7 points. Et il n'a rien à attaquer. Moi, j'ai rien à attaquer de spécial. Au maximum, j'ai ça. Mais il va connecter ou jouer ça. Et j'ai rien à développer. Il n'a rien de spécial à développer non plus. Donc si je voyais un coup dans cette zone, en fait, ce serait plus H3 ou G2, j'imagine. Il joue plus rapide. Ça, c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, si je viens ici qui bloque et que je fais ça quand il coupe, il faut être sûr de faire Atari et le chichot. Et le chichot, il tombe où? Dans ce cas-là, j'ai envie de jouer par là pour menacer d'entrer d'un côté ou de l'autre. Et comme ça, ça c'est sur le chemin du chichot. Blanc, noir, blanc, noir coupe parce qu'il n'a pas envie que je rentre dans ça. On fait Atari et on fait le chichot. Escalier. C'est quasi yossé. Les coups ici. Ouais. Du coup, il empêche le chichot. Très bien. Mais dans ce cas-là, on peut rentrer plus facilement dans ces positions. Rien que. Ah non, oui. Faut que je fasse attention quand même. Parce que là, il menace, effectivement, maintenant, s'il joue un coup par ici, il menace quand même de prendre quelque chose d'assez conséquent. Donc maintenant, avec ces coups rajoutés, peut-être que des coups vers N7, t'as raison, c'est un peu plus gros.
presque envie de jouer plutôt des coups comme N8. S'il protège, on fait double année. Encore une fois, viser le manque de liberté de ces groupes. Ou peut-être un coup comme ça. Tac, tac, tac. Tengen. Non. Non. Il y a sûrement pas mal de choses à faire hein, dans le coin. Je pensais même à un coup comme ça, en fait. S'il vient là, on pousse, tac, tac, on fait pas mal de points. Mais on risque d'en donner pas mal aussi. On a pas mal de points, donc on n'a pas besoin d'être trop agressif, j'imagine. J'aime bien par ici. Finalement, maintenant. Ça laisse pas mal de possibilités pour cette pierre, parce que sinon c'est des coups par là, j'imagine, par là. En fait, ça donne une possibilité de sortir à cette pierre-là également. Va falloir jouer autour de E10. Bah là, je lui donne plus de possibilités, mais oui, au bout d'un moment, il faudra. Mais elle a pas mal de possibilités, des invasions par là, des invasions par là, de la sortie par ici, par là. Ça devrait aller. Le coup que j'ai trouvé était pas trop mal, mais trop tôt. En fait, ça dépendait énormément de ce qu'il faisait. Et comme c'était assez petit, c'était pas très important. Mais là, il menace bien plus largement de tout prendre. Donc ouais, ça devient plus important. Et encore une fois, il joue très large. Mais c'est pas très solide. Genre jouer un coup comme ça. S'il coupe, on vient là. S'il coupe, on peut faire Atari. Et là, si on vient ici. On capture. Non, on capture pas forcément. Peut-être plutôt. Je pense que blanc va souffrir un moment. Peut-être, ouais. Tu penses que j'ai laissé trop le moyau? Je suis allé profond. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je serai bientôt au milieu en plus. Je pense pas que ce soit profond, mais le fait de ne pas aider ta pierre en E10 et de jouer en M7, c'est peut-être en trop vouloir les deux tableaux. Ok. C'est possible. Trop gourmand. C'est possible que ce soit trop gourmand. Si je viens par là et qu'il coupe, je viens là. On va attaquer un peu. Par ici, on vient là. S'il vient ici, on peut couper. Genre un Toby en G10 au lieu de M8 pouvait être OK. En G10.
Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bien. Yoyomi. Blanc. Ouais, on coupe. Oh. Atari. Et on vient par ici d'abord. Tac. Et coupe, je vais là. Capture. Oh, peut-être que je pouvais connecter à la brutale. J'ai été peut-être un peu trop prudent ici. Parce qu'il coupe ici, je connecte, et il prend. Après, je suis senté. Mais je donne une possibilité de centre énorme, mais il faudra faire attention à cette coupe. Ouais, j'ai joué imprudent, c'est vrai. Le début de partie est pas mal, et là, je joue imprudent, et c'est vrai sur ces séquences-là. Bon, on est en biomi, il faut faire attention. Si jamais je mets ça sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et YouTube. Ça aide beaucoup à la chaîne et tout ça. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Il coupe, logique, hein. Ouf. Bon, après, ça fait un gros coin et une grosse réduction, hein, mais. Ok, il visait plus gros. D'accord. Il vise toujours ça. Tac. Ça marche pas mal, là. Tac. Dix, Ok. neuf, Ok, huit, ok. sept, six. On va quand même attaquer un peu par là. On va attaquer ces pierres. Oui, ça reste dur pour moi. Hein. Oui, d'accord. J'ai beaucoup de cash en fait. Et si ici je me débrouille à peu près, le centre peut être réduit quand même assez facilement. Ici, au prochain coup, il faut que je m'occupe de mes faiblesses. Genre juste tourner ici, c'est assez gros. Mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Si je tourne ici, il pourra quand même couper. Et ça, s'il sacrifie tout ça, mais qu'il prend tout ça, c'est un bon deal. Donc non, peut-être juste. Juste un coup comme ça, je sais pas. Ou juste un hobby. Hein. C'est le plus simple. Noir, blanc, noir, blanc. Ok. Après, pas de risque, pas de gain. C'est vrai. Mais après, si je menais, est-ce que ça sert de prendre un risque? C'est pas dit non plus. Ok. La touche de l'extension circonflexe a ondulé. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Il reste quatre périodes. T'entends d'aller là, non? Un premier coup ici, ce qui menace capturer les 4 pierres, hein. Même s'il me capture ici, je peux capturer là. Snapback. Blanc, noir, blanc, noir.
Ouais, c'est pas incroyable, forcément. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste 3 périodes. Blanc, noir, blanc, parce que je suis en Atari. Noir. Mais si je répare ici, il peut faire le chichou. 8, 7, comme ça. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste 2 périodes. Ah merde, je perds 2-3 périodes sur ça, je suis un peu bête par contre. On va faire Atari ici, il va... Non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi ici. Ah, je perds 3 périodes pour faire ça. C'est un peu scandaleux par contre là. Oh, c'est mauvais. Ouh là 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 là. Ouh, c'est très mauvais ce que je fais. J'ai donné beaucoup là, pour rien. Alors peut-être. Ouh, la séquence merdique. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Aïe aïe aïe. Compliqué, hein. Vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? La touche de l'accent marche du coup, ouais. Vieux clavier. Ok, on va séparer ça. Au moins, t'es pas comme moi à vouloir à tout prix sauver tes pierres quand tu te rends compte d'une erreur. Ouais. Oui, mais bon, c'est quand même dommage. On va tourner ici. Merci pour le follow, Johan. Johan, pardon. 25 kills, c'est précis. T'es arrivé sur la meilleure séquence, d'ailleurs. C'est ça qui t'a donné envie de follow. Ah, lui, il joue comme moi, j'aime bien. Je me moque alors que je connais même pas. Mais... Salut! Tac. Tac. On pique des pierres. Ça me donne envie d'aller les écouter. Ah oui, oui, oui. On pourrait mettre du Icaro après, au pire. Allez, je sais pas s'il y a sur la rediff les musiques d'Icaro. On peut bloquer là. S'il vient ici, on vient là. S'il protège, on capture. Ça va, il n'y a pas de souci. Ah, il avait des problèmes dans ses formes. C'est vrai que là, c'est assez violent, par contre. Oui, oui. C'est assez violent, mais il a pas mal de problèmes dans les formes. Il a trop voulu tout garder, justement. Ah, j'en reparlais tout à l'heure à ma copine. On regarde. Et ici, il faut déformer encore. Donc, on va aller là, mettre Atari. Donc là, c'est l'essorage, c'est Shibori. On force à capturer pour en fait choper les meilleures formes possibles et lui créer un pâté. Voilà. D'ailleurs, on peut peut-être forcer ici. Hein. On peut peut-être forcer ici. Hein. Est-ce que c'est pas trop. Non, c'est pas abusé. Blanc. Si noir, voilà. Atari. On capture. Tac. Noir. Blanc. 10. 9. 8. Ah 7. Ouais. 6. Donc il recule là. On avance. Aïe aïe aïe. Beaucoup de faiblesse. Bon. Ça serait bien de ne pas tomber à une seule période par contre. Blanc. Blanc.
S'il fait ça, on vient ici, il capture Atari, tac, on recapture tout. S'il fait ça, tac, s'il capture, tac, capture, on recapture tout, ouais. Et s'il fait ça, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Est-ce que ça marche mon truc? Blanc, noir, blanc, noir. Blanc, 10, 9, blanc, 8, 7, 6, 5, 4, 3. J'ai été trop gourmand ici. Ça. Blanc, noir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. J'ai été trop gourmand ici. Blanc, noir. Blanc. Tac. Tac. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir. Il y a Guetta derrière, non? J'ai l'impression de voir Guetta derrière. C'est assez chaud à lire. Mais je crois que ça passe. Tac. Ah mais non, parce qu'il y a double intérieur. Ok, my bad. J'ai cru qu'il sortait là et je faisais ça. Et qu'il y avait un truc. Mais en fait, non, rien du tout. Je fais n'importe quoi. Non, oui, oui, c'est n'importe quoi. Beaucoup de grosses erreurs dans cette... Ouh, oui, non, parce qu'il y a ça. Ok. Mais oui, oui, là, Iris, il menace Snapback. Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, dans cette partie. C'est quand même dommage. Beaucoup de grosses erreurs. À venir, on va y aller. C'est à peu près la dernière zone de grosse tension. Mais ouais, ouais. Un coup de bien, un coup de moins bien. Ok, bon là, on vient là. Ça, c'est sûr. J'ai l'air quand même devant, oui. Tac. Là, j'essaie d'attaquer cette position. Donc, il va connecter au-dessous. Non. Ouais, ça marche peut-être pas mon truc non plus. 10. Si je viens là, il va ici. Viens là. Atari. Je suis trop gourmand en fait. Je suis beaucoup trop gourmand. Ah là 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 là. Je suis trop gourmand dans cette partie. Le début de partie était vraiment bien. Et la suite... Bof, bof. Ah, il faudra que j'allume après. C'est un peu sombre.
Y a pas des petits trucs quand même. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Je vais venir par ici. On va venir par là. Ce qui me laisse capturer ces pierres, hein, si je descends ici. On descend là. Si j'ai ici, on peut faire pouf. Dans ce cas, on peut venir là. Aïe, aïe, aïe. Tous les deux, on est trop gourmands dans cette partie. Bon, il faut vivre là maintenant. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Large. Mais il concède pas mal quand même. Ouais, très, très agressif. Il y a peut-être un passif entre nous, j'ai même pas regardé le pseudo. Il va se connecter 10, par en dessous, mais bon. 9. Ça fait chier, quoi. Là, on va reculer ici, peut-être. Ok, pour faire un œil quand même ici. On est sûr d'avoir notre œil là-bas? Si c'est le cas, je joue là, c'est quand même très gros. Et sinon, je rajoute un coup. S'il vient ici. Je joue là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peut-être, ouais, quand même. J'ai l'impression qu'on peut mourir. On n'avait qu'un œil sûr. Ça pouvait être faux œil. On va faire gaffe. Et là, il peut venir là. S'il vient là, tac, tac. Dix, neuf. Même idée, toujours. On risque de mourir. Donc là, maintenant, un coup par là, c'est très gros. Ah, zut! Est-ce que je la gagne réellement, cette partie? J'ai pas recompté, hein, depuis un moment. Normalement, je préfère C3, ce genre de truc, parce que là, ça lui laisse un sainteté derrière, mais... Ça semble gros quand même. Je préfère rester SNTR. Et s'il va en A4 que je défends comme ça, est-ce qu'il peut faire Atari, je capture, il vient là. Tac, il vient là. Tac. Ouais, là il pourrait vivre. Donc quand il fait ça, je dois reculer en B3. Sauf s'il le fait comme ça d'abord. Blanc, noir. Mais ça marche moins bien. Et là c'est dommage, il va perdre une bonne séquence. Ouais, surtout des points. Il en concède pas mal. Oula, désolé, on ne voit plus du tout. On ne voit plus du tout. Je me juste pose 2 secondes, je vais allumer la lumière.
Hop là. Bon, c'est un petit peu mieux. Alors, il joue par là. Très bien. Effectivement, si je joue ici, il monte. 10, 9, 8, 7, 6, blanc, noir, 5, blanc. 4, 3, 2. Il n'y a pas grand-chose ici. Noir, blanc. Ok, on connecte, sinon il nous capture. Noir, blanc. Oh là 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 là. Noir, blanc. C'est pas loin de marcher, hein. L'impression. Blanc. Non, noir. Je vais ici. Il vient là. Je vais là. Il va là. On capture tout. Mais c'était pas loin. Hein. Tac. Capture. Ça marche pas. En fait, on a l'impression qu'il y a des choses, mais ça marche pas. Mais effectivement, c'était dangereux. Surtout que j'ai répondu rapidement, mais j'ai pas envie de perdre par le temps. C'est... Je ne sais pas si c'est l'overplay, parce que. Aussi bien, c'est juste une erreur de lecture, hein. Moi, je sais pas. Ouais, c'est plus de l'ordre de l'erreur, parce que, en fait, lui-même perd ses possibilités. Ça donne envie de capturer ici et de dire il n'y a plus rien. Parce que même si après il fait un coup comme ça ou un coup comme ça, déjà il peut pas faire les deux, mais il peut pas vivre. On capture et comme ça, fin des soucis. C'est 17, tu trouves? Ah, et vers la fin. Ok. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq. On va aller par ici. C'est quand même assez gros. Ok. À bloquer. À bloquer. S'il vient ici, on peut faire double Atari. S'il vient là, on peut monter là. S'il vient ici, on peut faire Atari. C'est à peu près tout. En 3, du coup. Il vient par ici, très bien. On peut faire ça. S'il coupe, on peut capturer. Là, il va reculer. On connecte. On capture ici. Non. Parce que là, je connecte là d'abord. Parce que c'est hyper gros. Mais il peut faire ça. Là, je peux aller là.
Faudrait calculer, parce que là ça tue ça, mais ça fait ça réussissait de ça aussi. Mais c'est plus gros que le coin, non? Ouais. Noir, blanc. Ok, ça va aller. Ouais, ce que je me disais aussi un jour, c'est ce qui serait marrant, c'est un jour il a plus assez ici, je joue là, on protège ses pierres. Et ici, est-ce qu'il aura assez de place pour faire tout vivre? Bon après, à la place de jouer au 4, il a quand même une solution plus simple, c'est de capturer ses 3 pierres, je pense. On vient là quand même. Dix, neuf, huit, sept, six, non, il y a rien de cinq, spécial. quatre, trois, deux, un. On va essayer de pas passer à une seule période. Ça serait sympa. Je peux jouer là. Je sais pas si ça sert à grand chose. Tac, tac. Il revient, je capture. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Il y a des gros coups, hein. Protégé par là, j'imagine que c'est assez gros. Vous jouez ici. Dix, neuf, Protéger ça, huit, hein, tout simplement. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. C'est assez gros, je sais pas. S12 c'est gros. Ouais, S12 c'est gros, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Plusieurs gros coups en fait. Ah mais il en non, il est pas encore BBB, il va y arriver. Rejoins-moi. Compliqué comme partie, je trouve un peu épuisante. Un peu épuisante, ouais, c'était gros, c'était gros. Ça traînait. Et du coup, est-ce que c'est pas plus gros pour moi de protéger là? Parce que si je viens là, il capture, il va faire des points là, là. Il peut quand même m'empêcher de faire des points ici. Ça a l'air pas mal de faire ça. Peut-être que plus tard, je pourrais jouer celui-là en plus. Surtout quand tu es devant et que son adversaire charge vraiment la bête. Après, j'ai tendu le bâton, hein, tout le long de la partie quand même. On va pas dire le contraire. Ok. Effectivement. Je vérifie quand même si j'ai pas plus gros ailleurs. A priori, non. Hop, Atari. Hop. Et là, on est dans du Koyosé, quoi. Le tout petit Yosé. Il reste plus rien d'incroyable. Oui. Et je pense qu'il a des santé avant ça. Dix, neuf, huit, sept, six.
Oh, j'aurais pu. Oui. Déjà, ça aussi. Ça, je peux jouer celui-là ensuite. Hop. Dans quel ordre on joue ces trucs? Faudra que je fasse gaffe un jour à jouer ça. 10, 9. Ça a l'air bien. Ok. J'ai rien de spécial. J'ai rien de spécial quand même. Ici c'est Mi-8 de toute façon. 10, 9, Non, ça c'est. 8, Non, 7, ça c'est pas utile. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas quoi jouer. Je joue ça. Juste pour pas tomber à une période sous. Je voyais pas d'autres santé. Ok. Noir, blanc, noir. Car faut que je fasse attention à pas trop jouer avec le feu ici, mais peut-être. Hein. Déjà, ça passe à une liberté ce truc. Ok, bon, de toute façon, il y vient. Noir, blanc. Et il me restait deux libertés et un coup, oui, mais bon. De toute manière, ici, il n'a pas de points là. Et là non plus. Donc c'est pour ça que je me disais le K1, de toute façon, c'est du. C'est du damé. Salut Caroxys, ça va? Tu arrives après une partie mouvementée. Il vient ici, noir, blanc, noir, blanc, noir. On peut jouer autre chose d'abord. 10, 9, 8, 7, Mais quoi? 6, 5. Bon allez, on va jouer ça. Je devais pas plutôt jouer G18 moi-même. Peut-être. C'est probable. Ah là là. Là, il fait 2 points. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, il en fait 2. Ok. Si 10, j'avais joué là, il pouvait 9, avancer, j'en faisais 8, 4, et lui, il en 7, faisait 0. Donc oui, c'était mieux 6, d'un point. 5, Oups. 4, 3, 2, 1. Dernière période. Dernière période. Aïe, aïe, aïe. Que jouer, que jouer, que jouer. Par ici. Des fois, ça peut être important. Un point dans une partie, ça peut suffire. Donc, attention, là, j'en rigole parce que je suis un peu en avance, mais ça aurait pu être fatal, quoi. Ah, je suis un peu en avance. J'ai même pas recompté, hein, aussi, mais je suis pas en avance. Ah, tu y es? C'est chouette, ça. C'est chouette, c'est chouette. Ça se passe bien? Regardé pas mal de streams en journée, du coup. Et ça a l'air bien cool. Les commentateurs sont quand même super agréables, c'est sympa, une bonne équipe à chaque fois. C'est bien qu'ils soient à trois. Bon, des fois, ils parlent les uns au-dessus des autres, mais c'est normal. Mais il y a une bonne ambiance, ça a l'air sympa de ce que j'en entends. Trois victoires et une défaite. GG, GG, c'est vraiment un bon ratio. Bien joué à toi. Il y a un tournoi principal? Et plein de petits tournois secondaires, c'est ça? Dès que j'ai su que je pouvais plus y aller, j'ai arrêté de trop regarder, mais. Si je joue ça. On va regarder s'il n'y a pas du synthé d'abord. Ouais, tournoi principal. Ok. J'ai vu qu'il y avait même des échecs. Mais sinon, c'est quoi? C'est. Il doit y avoir tournoi Blitz, Pergo, Rengo, tout ça, tout ça. Plus tournoi week-end. Ok. Qui a moins de temps, j'imagine. Est-ce que tu as réussi, par exemple, ça fait beaucoup de questions, hein, mais du coup, je suis en mode. Tu as réussi à avoir des commentaires de joueurs
assez élevé. Genre du niveau d'Abdallah en général sur stream, genre des au moins 4-5 Dan FEG. Ouais, tout ça, vite sexe. Si, ok, un peu craintif. Dix, neuf. De Denis, quart d'avant. Ah, c'est chouette ça. Et salut à toi, Lugubre. Bienvenue. Quand il joue là, il faudra pas répondre. Ou alors, on vient là tout de suite. Ça dépend s'il nous reste un petit coup ou pas. C'est chouette ça, parce qu'il est... Bah, je l'ai vu qu'en stream, hein, il stream pas mal de fois. Bah, il a l'air sympa. 9, 8, après, c'est dur 7, à juger en stream. Hein. 6, 5. Il a l'air détente en fait. Allez, écoute. Ok. C'est le moment où on vient là. Faut pas oublier. Hein. C'est on joue ailleurs et là il revient sur ça. Bon, en plus, il discute un peu et on oublie nos libertés. Je crois qu'il a gagné toutes ses parties. Oui, oui, ça j'avais vu, oui. Que c'était une surprise en quelque sorte, même s'il est très fort, hein, bien sûr. Mais que c'est une des surprises du tournoi pour l'instant. S'il vient là. Je vais ici. J'ai le droit de pas répondre là, non? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je vais capturer ça. Et tant mieux pour lui, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Il est ici. Il protège. Il est en pleine montée. Ouais, bah ouais. C'est chouette, franchement, c'est... bien pour lui tout ça. On va pas se prendre la tête. Hein. Plus elle est là. De toute manière ici, il n'y a aucun d'elle. Ici c'est Mia, j'ai pas besoin d'y aller. S'il joue là, bon, on est large. Est-ce qu'il reste des points? Dix. Ah, pas vraiment, 9, j'ai l'impression qu'il reste que des 8, damés. 7, 6, 5, 4, 3. On va jouer ça avant de perdre par le temps. Ici, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Tout est fermé ici, bon ça c'est mort. Ici il y a des damés, je vais devoir capturer en fait. Si j'ai rien à jouer, je capture en fait. En plan. On peut faire Statari, tac. Tac. 10, faire Statari. 9, 8, pour la forme. 7. Les lectures d'après-midi, bah, certaines sont sympas. Demain je vais tenter d'avoir un commentaire par un pro. Ouais, ça serait cool en vrai. Si t'es à l'aise avec l'anglais, en plus, ça te fait un éventail sympa. Il y a des pros qui ont l'air sympathiques. Bon, on a tous des frais références, je pense, pour l'un ou pour l'autre. Il y en a qui ont l'air bien sympathiques. 10, 9, 8, 7, 6. Allez, hop, on devra capturer un jour, de toute façon. Passe. Tanguy. Ouais, pourquoi pas. Je crois qu'il est plus intelligent sur OGS, hein, donc lui, il va pas compter ça et ça. Hein. Oups, pardon. Enlever les pierres mortes. Ouais, c'est ça. Bon, je suis devant, hein, mais fou, c'était laborieux. Ouais, ça a l'air bon. C'était laborieux. Vous avez quand même gagné.